bien, bonjour à tous, c'est Willy Gmod et bienvenue dans un nouvel épisode de Willy and Craft en compagnie de... Oh, Willy and Craft, oh putain la vache. Dans un nouvel épisode de Willy and Co, pardon, en compagnie de Pietro. Salut Pietro. Salut tout le monde, heureusement que t'es là, tu vois, pour faire des rendez-vous de... Ah ouais, putain la vache. Et il s'avère que, en effet, au dernier épisode, je vous avais dit que j'allais fermer la vidéo avant de crasher, et ben ça a été le cas, j'ai bel et bien crashé. Donc, bah, Pietro, hop, aujourd'hui, c'est épisode exploration, mes amis, hein. Pietro a lancé l'idée, donc, bah, du coup, on y va. Explorons. Voilà, tout à fait. Donc là, apparemment... Exploration de nuit, d'ailleurs, c'est très... très intelligent de notre part. Bah oui, toi, tu vas pouvoir... De la viande, de la viande, de la viande. Tu vas pouvoir trouver de la bouffe. Toi, tu vas pouvoir trouver de la bouffe. Par contre, si jamais tu trouves des poulets ou des vaches, tu les extermines et puis tu me donneras tout. De la viande. Ah, calme-toi. Champignons. Ça y est, Pietro. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est un bug, autant pour moi. Étant du dos à perte de vue. Oui, étant du dos, et moi je vois surtout des cannes à sucre là-bas. De la viande. Moi je vois de la canne à sucre là-bas. La canne à sucre qui me sera très utile. Enfin, qui nous sera très utile. Voilà. Et je me fais violer par un squelette. Aïe. Oh putain, puis je me fais violer. Je viens de rescousse. Ouais, mais attends, il y a un creeper là aussi. T'es dans l'eau, tu t'en fous qu'il y a un creeper. Ouais, non, ça ne fait pas de dégâts au bloc, mais à moi, ça, en revanche, ça m'en fait. Hein. Bon, alors t'es où? Je suis là. Bon, alors bah du coup, on va continuer à explorer. Alors toi, tu m'as pas dit que tu voulais du bois autre du bois, que du bois de sapin? Il faudrait du bois de chêne si on en trouve. Eh bah écoute, j'ai envie de te dire, là, il y en a. Par contre, as-tu une hache sur toi? Parce que moi, en fait, j'en ai pas. Oui. Très bien. Je vais exterminer la poule, donc je te laisse récolter le bois. Éventuellement, bois après... Par en dessous. Oui, c'est tendancieux. Oui, un peu, oui. je t'inviterai après à faire une table de craft et à me donner des bâtons, éventuellement, pour que je me fasse une hache en pierre. Oh, j'aime bien le mode timber. Ah, il est bien, hein. Dommage que ça existe pas encore en solo pour la 1.7.5. Ce serait vraiment bien. Ah bon? Ah ouais, pour la 1.7.5, laisse tomber, c'est une vraie merde à trouver. Même pour la 1.7.4 ou la 1.7.2, c'est pas possible. J'ai essayé de rechercher le mode timber et pff, y a rien à faire. Un mini zombard. Ah, un dog. De la mine. Ça y est, Pietro qui a craqué, ça y est. Il a... T'es poursuivi. Je suis poursuivi par... Oh putain la vache. Merci de m'avoir prévenu, j'avais pas vu. J'ai plus de flèche du coup. Vu que je l'ai un petit peu exterminé au dernier moment, l'araignée avant qu'elle te bouffe. Ouais, et c'est très bien parce que du coup j'ai pu les tuer toutes les deux. Alors Pietro... Dover de Frost. Bon alors, je le répète, hein, au cas où vous ne le sauriez pas encore. Pietro m'appelle Frost, mais mon nom c'est Willy Gmod. Hein. C'est juste ah, que tout à fait, c'est son surnom, voilà. C'est son petit nom. Ouais. Non, c'est pas mon surnom, c'est parce qu'en fait, je vous explique la petite anecdote, enfin je vous la réexplique encore. Au tout début, quand j'ai acheté Minecraft, j'avais bien un nom de compte qui était Willy Gmod. Le souci, c'est que ayant perdu le mot de passe, il m'a fallu reprendre un nouveau compte. Fais gaffe, il y a un zombie derrière toi. De la bouffe ou ça? C'est bon, c'est réglé. Faut mieux prendre des pouces histoire de planter chez nous. Le mode. Viens ici. Aïe. Ah, j'ai entendu que t'as essayé de mettre un suppôt. Ah non, c'est plutôt le suppôt qui a essayé de me rentrer dedans. Attends, viens ici 2 secondes. Ah oui? T'es où? T'es là? Ah, très bien. Alors, tiens, je te donne déjà la bouffe de zombard que j'ai, et j'en ai pas. C'est génial. Voilà. Ok, donc j'ai 2 laines blanches, il va nous falloir d'autres laines pour nous faire des lits, je le rappelle. Ah bah non, je suis con, on a déjà des lits. Je vais pas bien, moi. En effet. Il nous faudrait, c'est des flèches. J'en ai 2. Par contre, je sais pas du tout où est la maison.
Oh, mais ça, c'est pas grave. Bah si, en fait, c'est grave. On n'avait pas fait un... Non. Si, 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 j'étais mort pas loin de la maison en Parce qu'on a 60 000 fait et un quelques. point Ouais, de spawn, mais... on a fait un spawn. Non, non, mais dans des précédents épisodes, j'étais mort dans la mine, pas très loin de la maison. Donc en retrouvant la mine, on retrouvera la maison. Vu comme on est doué. Ouais, ça promet. Non, mais on doit pas être loin de toute façon. Non, 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 mais c'est pas grave, de toute façon. Je crois Fais que c'était gaffe. 30 000, 60 000, un truc comme ça. Fais gaffe, il y a un mini zombard derrière toi. Enfin, Ah, là, là. Doug! Ah, donc je vais en profiter pour couper un peu de bois aussi. Ah, Bon, y a un allez, on continue. Enderman. Attends, attends, il y a un Enderman dans le coin, il faut le dézinguer pour avoir sa paire, là. On se le fait? Ouais, encore faudrait-il le trouver, ce con. Ah, là, je vois un squelette que je vais Lui aussi, t'as m'empresser. vu apparemment. Oui. Merde! Bah putain, pourquoi tu te fous devant moi quand je tape le squelette? Ah, il est là, l'Enderman. Et par contre, j'ai quasiment plus de vie, donc je me régène d'abord. Ouais. Parce que là, je tiens pas à crever, quoi. Le jour va se lever. Ouais, mais l'Enderman, heureusement que lui, il reste. Tu m'attends pour le dézinguer ou tu veux le commencer tout seul? En fait, il faudrait un petit endroit sympa. Un petit endroit avec deux blocs de haut, tu veux dire? Non, non. De ce genre-là? Non, non, pas de ce genre-là, mais disons un endroit où. Où? Où il pourrait nous foncer dessus, quoi. Avec les arbres là. Enfin, bref. Et Ah, oh. dézingue-le, vas-y. Oh. Je le désigne? Vas-y, vas-y, dézingue. Lui s'est barré. Ah! C'est Nickel. bon, on l'a. T'as C'est. récupéré sa perle. J'ai récupéré sa perle, si tu le dis. J'ai pas de perle, moi. Moi, je l'ai récupéré, si je te le Ah, c'est dis. toi, d'accord. Non, je Allez, on croyais qu'il disait continue. que c'était moi qui l'avais récupéré. Ah, y a un autre Enderman, là. Très bien. On va le désinguer aussi. Ça doit être sa femme, je pense. Ou son homme, je sais pas. Il est là-bas. Tu le Voilà, c'est vois? bien barré. Ouais, je crois qu'on est pas près de le revoir pour le coup. C'est dit à deux contre un, pas moyen. Voyons Bon, voir là-bas, qu'est-ce y a qu'il y a dans rien. ce secteur, il y a rien. On va par là. Viens, viens, viens. C'est moi qui décide. Tu décides de rien du tout. Hein. C'est moi qui décide. Si tu le dis, écoute. Donc, voyons voir. Là-bas, il y a un zombard qui crame éventuellement si tu veux récupérer sa chair. Non, pas moyen, non. Je sais pas, c'est toi qui vois, c'est toi En qui fait, dis. j'ai l'impression qu'on est sur un petit archipel, enfin, ou un truc comme Oui, ça. je. Ah, il y a un Moi... cochon là-bas, tiens. Ouais. Moi aussi, je pense qu'on est sur un petit archipel d'îles parce que du coup. Enfin, moi, Y a c'est des quoi? cochons dans les arbres. Ouais, c'est normal, c'est normal. Vas-y, désingue celui-là, moi, je désingue l'autre. Très bien. Hop. Ah, je vois que t'as que pété un truc. T'es où? Ah, t'es là. Je te rejoindrai. Là, il y a un cochon aussi. Tu veux bien de me prendre une grosse mandale? Une mandale? Je n'ai actuellement plus de chair putréfiée. Mais je t'avais dit de récupérer la chair du zombard qui brûlait. Mais bon, on m'écoute jamais, alors. Par contre, moi, là, j'extermine tous les cochons que je vois, histoire d'avoir une réserve de bouffe. Assez conséquente pour pas être emmerdé par la suite. Mais où es-tu barré encore? À l'extermination des cochons. Mais j'en vois partout, c'est ça le truc. Je te Et vois pas bah, toi. tue les tous, et ensuite tu me donneras toute la bouffe. Mais je te vois pas en fait. Donc si je te perds, c'est que... Je sais pas, on va se retrouver après grâce aux coordonnées, t'en fais pas. J'aimerais bien te voir en fait. Ouais, mais le problème c'est que je ne sais pas où t'es. Ah, je te vois. Ah bah voilà. Heureusement que je suis là. Si tu le dis. Donc ça c'est bon. Voilà. Petite Alors. pause, moi je dis. Petite pause pour. Pour bouffer, pour faire cuire. Ouais, éventuellement, si tu veux, t'es où? Ah, t'es là. Type est quand même débile, je l'ai quand même retrouvé.
T'as du charbon ou pas? Est-ce que j'ai du charbon? La réponse est non, je n'en ai pas. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, là je coupe du bois, on pourra le faire cuire éventuellement. Que j'ai déjà essayé de faire. Pourquoi essayer? Enfin, c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui, je me disais aussi. Hop, ça c'est bon. Plof. Alors, je m'occupe un peu de tout ce qui est arbres aux alentours, comme ça en même temps on aura de la marge. Et j'entends un Tout cochon à qui fait. n'a visiblement pas peur de mourir, qui est juste sur l'arbre. Eh! Ça aurait été plus simple de pas te trouver si jamais t'avais pas fait de bruit en douille. Voilà, maintenant tu l'as dans l'os et c'est de ta faute. Hop. Donc. Hop. Ça c'est bon. Alors, du bois, j'en ai 47. J'ai 47 bois de chêne et toi tu m'as dit que t'en voudrais au moins un stack. Hein. Au minimum, quoi. Sachant que je récupère aussi des pousses de chêne, donc on pourra en faire pousser près de chez nous. Problème. Je Hop. t'annonce que tu peux aller faire cuire tes côtes. Alléluia. Tu me donnes celle que t'as récupérée ou quoi? On est là dans le four. Nickel. Moi j'en ai 20 du coup. Donc ça c'est bon. Dans l'autre four, il y a quoi? Il y a du charbon, mais rien dedans. Qu'est-ce que je peux faire cuire? Ah si, bah, je peux faire cuire les poulets, Ah, bien des sûr. pommes, pour faire les pommes d'or. Ah, nickel. Je crois que c'est avec les pommes d'or qu'on apprivoise les chevaux. Non, non, Non? C'est avec des pommes toutes simples? non. Non, 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 C'est avec quoi? non. On fait pas de pommes, enfin, on n'apprivoise pas de chevaux. Tu rigoles ou quoi? Les chevaux, c'est génial! Mais non, c'est de la merde. Bah, tu rigoles ou quoi? Ça nous permet de nous déplacer vachement plus vite! Ouais, bof. Oh, bah, si, attends, tu rigoles. Il faut que j'aille trouver. Moi, je veux un cheval, c'est mort! Si jamais j'ai pas de cheval, je fais un caprice. Bah tu feras Un caprice. feras un caprice ouais. tiens, je te donne la chair putréfiée. Cool. Tiens, au passage, je te donne tout ce dont je n'ai pas besoin. Va te faire foutre. Ah ouais, ah tu prends comme ça. Non, non, Pietro, je t'interdis, je te préviens. Ah ouais. Le mec me balance un œuf à la gueule, quoi. Loupé, c'est con, hein? Connasse, Et en vraiment. plus, tu me bombardes avec mes flèches, alors que je te prierai d'arrêter sur le champ. T'es où? Tu Je me suis. balances un œuf à la gueule, alors je te dis pas là. Ça prend Excuse-moi, cher. tu m'as fait quoi il y a deux épis. Il y a quelques épisodes? Tu m'as fait quoi? Je t'ai balancé des œufs à la gueule. Voilà, donc. C'était un juste retour des choses. Ah bon? Bon. Totalement faux. Tu sais totalement fou alors. Alors attends, j'extermine les quelques piggies que je vois là. Suis un dissident, je me barre avec la bouffe. Ouah, l'enculé! Saurais même pas retrouver où j'ai foutu les trucs en plus. Attends, du coup, je reviens. Ah, je t'ai vu, c'est con. Hein? Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Bah, Pietro! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Qu'est-ce que t'as fait encore? Oh, bah, je sais pas, ça lag, ça me dit que c'est cuit, ça me dit que c'est pas cuit. Je comprends pas tout. Il est où l'autre coffre? T'as pris tous les poulets? D'accord. Moi, je te laisse les poulets, moi, je prends les côtes de porc. Ok. Tiens, bah, du coup, attends, je te donne les poulets que j'ai. J'en ai 11. Ah, ça va mieux. Eh bah, attends, t'en as oublié sur le four.
Ce que j'aime bien, c'est que je t'ai balancé en même temps mes 12 côtes et je les ai repris. Quoi? T'es en train de me dire que là, t'as des côtes de porc cuite? Non, non. Ramène-moi ça tout de suite. Bien, je t'en ai balancé, pas cuite. Pietro, viens ici. Viens ici. Sagouin. Merci pour la flèche. De rien, ce fut un plaisir. Là, je te vomis dessus. Oh, c'est tellement gentil. T'es où? Ah, t'es là. C'est bon? T'as fini? Non, il y en a encore? T'as de la chance. T'es vraiment pas doué. Hein. Bah, je t'ai dit que t'étais plus doué à l'arc que moi. En revanche, moi je suis meilleur à l'épée. Aïe, oh! Je suis dans le four, là, ça se fait pas, sans déconner. T'es dans le four, bah, reste-y. Ce lancer de flèche épique. Non mais oh. Ah ouais. Aïe. C'est trop. J'ai plus de bouffe. Moi non plus. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il a foutu de l'eau, mais n'importe quoi. Hop. Alors attends, il y en a encore 12 à cuire. Il n'y a plus de charbon. Est-ce qu'il te reste du charbon, Pietro? Tenez, mon brave. Merci. La petite pause doit être finie, là, normalement. Ah, attends, il en reste encore 10 à cuire, là. Ah bah écoute, il y en avait beaucoup, hein. J'ai beaucoup exterminé, moi. Bonjour, monsieur. Vous faites quoi dans la vie? Au moins, exterminateur de cochons. Pardon, mais enfin, où ça? Ah, sur Minecraft, vous inquiétez pas. Et au fait, tout à l'heure, j'ai vu un magazine. J'ai vu un magazine et le titre, dans le titre, il y avait faire de la science avec Minecraft. J'ai pas tout compris. Bah, il y a un tas de trucs qui sont disponibles, enfin, qui sont possibles avec Minecraft. Hein. Tu peux créer des. Oui, oui, tout des à fait. Des circuits avec la redstone. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais enfin, bon, entre créer un circuit avec de la redstone et créer un circuit dans la vraie vie. C'est quasiment la même chose. Hein. Ce côté bien parce sûr. Que c'est moins fun. Ce côté, ouais, voilà, ce côté bien sûr de ça. Ouais. Oui, parce que dans la vraie vie, tu te fais pas attaquer par un zombard quand tu fais un circuit imprimé. Oui, ou alors tu te fais pas éclater par un creeper par derrière pendant que tu fais un circuit, quoi. Pourquoi par derrière? Bah, parce qu'en général, les creepers, c'est rarement par devant. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais. Oh, bah, tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Le mec regarde son nombril quand même. T'es comme magnifique. Viens là, sagouin. Espèce de pute. Viens ici. T'as de la chance que je rampe parce que sinon. Aïe, oh, oh, oh. Ah, tu le prends comme ça. Ah, t'es comme ça. Arrête ça, dissident, va. Putain, j'ai plus de flèches, t'as de la chance. Je te jure que t'as de la chance. T'as d'ailleurs, je vais te donner l'arc, ça te donnera l'occasion de réparer celui que t'as, si jamais il est endommagé. Bon, allez, on continue, là. Attends. C'est pas grave s'il n'y a pas assez de trucs. Allez, c'est on bon. Prend tout. Hop, je prends le charbon, tu prends le four, et on dégage. Hop, on y va. Allez, go. Voilà, comme ça. Petite pause de Frosties. Willy, j'ai mal. Bah quoi, ma petite céréale? Tu sais ce qu'elle dit, la céréale? Elle me dit qu'elle aimerait bien prendre son bain de lait, c'est ça? Est-ce que tu sais ce qu'elle dit, la céréale? Est-ce que t'as la moindre idée de ce qu'elle peut te dire? Je sais pas. Espèce de canne à sucre. Voilà, fils de canne à sucre. Bon, alors vous, c'est mes. Insulte par Frosties de Kellogg's. Alors vous, mes amis, vous avez entendu que des bips. Moi, en revanche, je l'ai bien insulté. Mais là. Bon, alors il fait encore ennui, d'après ce que je vois. Je récupère toujours de la bouffe un peu. Par contre, tu m'as pas dit que tu voulais du sable? Non. Bon. Là, il y a une caverne, tu me suis ou pas? Ouais, ouais, vas-y, je te suis. Y'a rien. Merci, Pietro. C'était le fail du jour par Pietro. Voilà, je vais créer aussi un jingle pour ça. Ah non, ça c'est déjà pour les jingles de merde que t'as fait avant, il m'en faut un autre. Ah, on retourne vers les sapins, donc à mon avis, on retourne vers la maison. On retourne vers rien du. Si, vers la maison, en effet. Si, c'est bien ce qu'on. Y'a un bug de chunk là. Ouais, tout à fait. Donc bah, du oh, coup. Ouais.
Comment t'as volé? Donc bah du coup j'invite, attends je fais un petit, attends je fais un F3 pour les coordonnées. Voilà c'est bon, comme ça au moins on sait où on est. C'est 30 000, 60 000 je crois. Ouais c'est ça, 30 000, 60 000. J'ai... Putain. Ah t'as bien volé le jeu. Je ferai peut-être un petit ralenti avec la musique de Superman. Oh c'est horrible. Ouais, là il y a un squelette que je vais m'empresser d'aller tuer. Ainsi qu'un zombard. Moi, je vais le zombard vient vers toi, Pietro. Ah, non, faux. Oh là, là il y a toutes les saloperies du monde qui viennent vers moi. Ah, je vois que toi aussi il y a un creeper. Ouais. Il a tenté une colioscopie, mais. Ah, ça a pas marché. Là. Allez, continue. Ouais. Hop. Tu vois, ton creeper elle a explosé par devant ou par derrière? Par devant. Ah tiens. C'est un des rares qui fait ça. Allez, moi je suis toujours un creeper bien élevé, tu vois. Par devant. Ceux-là aussi, ils étaient par devant. C'est tout de suite beaucoup mieux, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Il y a un immense bug de chunk là. Ah, pas chez moi. Non, mais ça se. Ça se charge pas. Je vois toutes les entrailles de. Les entrailles de la terre. Les entrailles de la terre du Minecraft. C'est ça. Là-bas, il y a une de ces cascades de lave. Moi, je te dis pas. Oh, mais attends, la cascade de lave, ça pourrait être intéressant pour récupérer de la lave, justement. Oh, comment je fais les sauts d'eau. Tais-toi. Comment je suis les sadomisés. Ouais. C'est comme pour les plus jeunes. Au lieu de dire putain, tu dis du pain. Voilà. Ou putain. Ouais, deux choses en plus. Je crois que. Non, c'est bon. Hop, alors attends, faut que je bouffe un peu. Ah, hop là. Il y a un biome là-bas, c'est quoi? Je connais pas ce biome. Putain. Là, juste là-bas. Ah, le biome canyon là. Ouais, je sais pas ce que c'est, ça, comme avec biome. La terre rouge, là. Ouais. Je connais pas du tout ce biome, je sais pas ce que c'est. Quand je te dis qu'ils sont mal élevés, les creepers. Il m'énerve, le squelette. Attends, j'arrive. Ah non, c'est bon. Donc là, il y a des cochons. Bon, on va visiter le biome canyon. Ouais, on va visiter parce que je connais pas. Derrière toi. Encore derrière toi. Non mais tu vois, quand je te dis qu'elles me prennent tous par derrière, c'est pas des conneries. Hein. Mais ça se trouve, tu as un bon profil. Non, Pietro, épargne-toi ces blagues, Salas, s'il te plaît. Donc, ce désert est normal pour un canyon. J'ai pas compris ce que t'as dit. C'est quoi le bordel? Ah putain, ouais, j'avais un hot dog qui m'attaquait, quoi. Ah tiens, là j'en ai un autre là. Un hot dog géant. Ouais, mais c'est quoi ce biome? Je le connais pas. Attends. Connais pas. F3, c'est un biome mesa apparemment. Ah, il y a une sorcière. Je t'entends très mal et je bug un peu là. Il y a une sorcière. Ouais, j'ai vu, ouais. Si t'as des flèches, des anglais à distance. J'en ai qu'une. Oh bah Pietro, mais t'es con ou quoi? Putain. Et du coup, j'ai plus... flèches. Bah, du coup, j'en ai plus, j'ai tiré ma dernière flèche sur toi. Mais t'es con. Bah, j'avais pas prévu que tu passerais. Très bien. Elle a donné de la redstone à ce que je vois, c'est nickel. Putain de merde, je suis mort. T'es mort? Ah non, si. Non, tu peux pas mourir normalement. Quand tu es empoisonné, tu peux pas crever. Il y a un zombard avec une armure en or là-bas. Ah bon? Aïe. Tout droit là-bas. Attends, je vais me le faire, cet enculé. Par contre, toi, reste bien là et ne te prends aucun projectile parce que sinon tu meurs. Bah ouais, je vois bien. Il m'a donné un de redstone, quoi. C'est pas rentable ce truc. C'est pas un zombard, c'est un squelette. Je t'aide à distance.
Waouh. T'es un petit peu tiré dessus en fait. Ouais, je me fais un peu déglinguer de partout surtout. Mais alors attends, oh putain, il y a un creepy. Juste attends. Alors par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il donne en. Qu'est-ce que c'est? De quoi? Qu'est-ce qu'il donne de quoi? Bah, comme terre. Ça ressemble à un truc solide, mais je sais pas ce que c'est. Il est où ce sac? Et pourquoi c'est moi qui vise? On l'a niqué, mais il a rien donné. C'est con pour lui. Putain, il me reste un demi-cœur. Attends, là, faut pas que je me prenne le moindre projectile. J'ai eu de la chance de pas mourir, là, pour le coup. Et du coup, c'est quoi comme terre que ça donne, ce truc-là? Bah, je vais regarder ça. C'est de la terre cuite marron. Classe! C'est vraiment très classe. On continue. Attends, je suis en train de régène, là, j'ai plus de vie. Bon, je suis à la moitié de ma vie, c'est bon, on peut continuer. Bah alors, allez, allons par là. T'as le hockey, Pietro? Un peu, ouais. Un peu, bah non, on a le hockey, on l'a pas un peu. T'as qu'à son creeper. Voilà, le mien est mort. Le mien aussi, sauf que moi j'ai réussi à le tuer. Tiens, là, il y a une armée de zombards pour ta chair putréfiée. De la bouffe, c'est McDo. Je sais pas si on compte. Droit réservé. Je sais pas si on peut comparer de la chair putréfiée à un McDo, mais bon. Taïo! Ah! Oh, le zombard, le squelette, il a pas fait long feu. Donc ça, c'est bon, c'est nickel. Ah, donc là, apparemment, tu marches sur du sable. Et il est 21h30. Ah, il est 21h30, très bien. Donc, bah, mes amis, c'est la fin de la vidéo. Vous voyez, quand le temps passe vite quand on s'amuse, comme on dit. Hein. Tout à fait. Avec Pietro, je suis tombé. Y'en a. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Willy & Co. Jusqu'ici, portez-vous bien. Puis moi, je vous dis bah, à la prochaine. À la prochaine, les gens.